Plusieurs de nos clients nous demandent s'il est nécessaire ou impératif de développer une fiche de cadenassage pour chacun des équipements. Bien, la réponse est oui. Et c'est nécessaire non seulement pour les machines et les équipements généralement utilisés dans l'usine, mais aussi en mécanique du bâtiment et au niveau des équipements mobiles. La norme Z460 explique que les fiches doivent être développées pour tout ce qui n'est pas mu par l'énergie humaine. Il y a évidemment des exceptions, notamment des choses comme les équipements de cuisine que nous pourrions avoir dans la cafétéria des employés, comme un réfrigérateur ou un grille-pain, mais ce sont là les seules exceptions. Donc, réponse à la question très simple, oui, il faut développer des fiches de cadenassage avant de procéder aux travaux.